Je joue rapidement avant qu'il s'en aille. Il est 2Q et ça a égalité. Ok. Bon. Allez, peut-être qu'on a une partie cette fois. C'est un peu l'edge le son de. Faudra que j'augmente. On n'entend pas trop le son des pierres. On va jouer à un grand espace. Il nous pince. Ok. Ça me donne envie de faire ça, d'écraser parce que c'est moi derrière. Il continue une fois comme ça. Je pense qu'on continue. Si je joue ça, il peut couper. Si je saute, il va au milieu et finalement j'ai une forme un peu dégueu. Le Nobi c'est bien hein, et il va quand même continuer à sauter. Kema ou Toby. Ok. Et la contre-pince. A voir si on le fait en troisième ou quatrième ligne. Troisième ligne, ça peut être intéressant dans le fait que on pourra passer en B7 à un moment ou un autre. Ça peut être sympa. Après, c'est vachement écrasé par rapport à la troisième ligne là. En soi, ce coup-là, ça permet aussi d'aller en C7. Quand il vient en coupe, on a quand même 4 pierres contre 2. Ça a l'air d'aller. De toute façon, là, il va sauter. Kosumi ou Toby. Peut-être Kosumi dans ce sens-là, pour viser de passer au-dessus. Ok, Tenuki, intéressant. Beaucoup de troisième ligne chez l'adversaire, par contre, il s'écrase pas mal. Souvent, quand on approche de ce côté, pour blanc, noir, il a envie de réagir en jouant vers là. Pour empêcher le Kobayashi, notamment. Mais il est déjà installé ici, un peu plus loin que d'habitude d'ailleurs. Comme il a prolongé une fois en Obi. Si je joue là, qui passe au-dessous, tac, tac, Josiki classique. Quand je viens là, il est déjà juste à côté, quoi. Kobayashima. Tac, tac, tac. À la rigueur, ça, comme ça, en troisième ligne, c'est peut-être mieux. Il jouerait Q5. Dommage qu'il n'y ait pas les coordonnées tout autour. Non, c'est mieux quatrième ligne, en fait, si on veut continuer ce l'écrasement, que blanc soit en troisième ligne partout. On va faire ça. C'est Kobayashi Maru, c'est pas Naruto? Shikamaru, non c'est Shikamaru, pardon. Et il pince. Oula, encore une fois, troisième ligne, il est vachement écrasé. On va aller dans le coin. Aïe aïe aïe, non, pas du tout. Ok. Je sais que ça, ça existe, mais j'ai oublié un peu les suites. Encore une fois, c'est dans une vidéo de Go Inside. Mais... tac, il va là. Ah, je sais plus. On va pas prendre le risque, je sais plus. On va jouer plus classique, par ici. Ou sauter même. Si on saute, il peut jouer jusqu'ici. On pousse une fois. Continue une fois. Ouais, Kobayashi, c'est comme le Fuseki. Le Blitz, je m'en sors pas trop mal la première partie, mais si j'en fais une autre après, c'est un désastre. Ça brûle toutes mes faibles capacités. Il faut aimer le combat en plus, quoi, c'est ça. Mais première centaine de parties, c'était que des Blitz quasiment. Donc j'étais beaucoup plus agressif avant, là je me suis vachement calmé dans les dernières années. On va faire ça, ça me parle, il y a quelque chose je pense. S'il va au milieu, je peux faire un Kema comme ça. S'il continue, je bloque. Et il va prendre le bord, mais je vais prendre de l'influence. Je pense que c'est intéressant.
Alors, qu'est-ce qu'il va jouer ça? Le réflexe, c'est d'aller à l'intérieur. De jouer dans l'œil de l'éléphant. Et après, ouais, je fais la forme de la fleur. En... du coup, ce coup, c'est en O6. Il pousse ici, je vais là. S'il va ici, je coupe. Il fait contre-atari, je vais là. Il s'empare de la pierre. On peut faire l'atari et finalement, on prend une, la force sur l'extérieur. Et lui, il est en troisième ligne partout, en fait. Donc il a des points, certes, mais c'est petit. 6 forces directes, tac, tac, et qui coupe. Ouais, mais le Kobayashi Maru, c'est une énorme référence dans Star Trek. Ah, jamais regardé. Jamais regardé ça. Ouais, il faut faire attention à la coupe quand même. J'ai dû faire une erreur quelque part. Peut-être que je dois faire ça d'abord. Bon, du coup, maintenant, il faut venir là. Ouais, j'ai loupé un timing. Puisque maintenant, si j'essaie de revenir, il peut faire Atari. Donc il faudrait que je continue, mais c'est pas très beau. En général, il vaut mieux éviter ce deuxième Atari. Ça renforce trop l'adversaire. C'est quoi, il veut tenter ça? Ah, il veut peut-être tenter ça. Je descends, il protège. Et... on doit sauter. Sauf qu'ici, il y a encore la coupe, comme on disait. Après, si force, tac, tac, qui coupe. On peut venir là. Non, ça va, ça fait rien. Noir, blanc. Noir, blanc, noir. Si blanc vient là, on peut peut-être aller ici. C'est compliqué, hein. C'est un nouveau site de jeu de Go, non? Je ne connais pas celui-là. C'est sur Steam, c'est Just Go. Et en fait, là, je joue avec des personnes qui sont sur OGS. Mais oui, c'est relativement récent. Je vais regarder ça. Mince, ça ou de ce côté, excusez-moi. Peut-être qu'il y a marqué l'année du jeu. Je vais vous regarder ça vite fait. Il force de ce côté. Un magasin, Just Go. Bon, on regardera ça peut-être après la partie. Hop. Mais oui, j'avais découvert ça avec Telegraph Go qui jouait dessus. Si je vais là, il descend, je coupe. Il peut descendre, je bloque, mais il capture. C'est un peu la merde. Hein. Là, finalement, il revient bien dans la partie. Fais pas le double année par contre. Si, tu peux faire Atari. Atari, tac. Atari, je capture, et tu connectes en double, je sais pas. J'ai complètement abîmé ma force sur l'extérieur. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, bah oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a le Sente, hein, mais maintenant la partie est quand même très hasardeuse. En plus, je suis obligé de rajouter un coup par là, parce que la coupe me ferait vraiment mal. Donc ce année était de trop. 10 août 2022. Ouais, c'est relativement récent, un an et demi, quoi. Ok. Il a joué... il devrait mettre aussi le dernier coup. Il joue ici, ok. Est-ce que je peux descendre ici? Il va là, je fais ici, il va là. Il n'y a pas grand-chose. C'est dispo sur macOS en plus, je vais tester du coup. Ouais, bah c'est surtout pour le côté esthétique, c'est assez agréable, ouais, c'est clair. Je vais vous mettre, là j'ai mis ce plateau, il y a trois autres plateaux également, qui sont assez jolis. En fait, ce qu'il y a, c'est l'avantage de celui-ci, c'est le seul qui a des coordonnées. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est comme sur Fox où c'est écrit en tout petit. C'est un peu dommage, c'est quand même le truc de base quoi, d'avoir des coordonnées bien lisibles. Bon, ici on est tranquille, hein, mais on avait la force, c'est que ça... à jouer là et faire une extension.
il connecte. Bon, on descend pas, hein, sinon il descend et c'est sainteté de ce côté. Est-ce qu'on peut descendre jusque là? C'est peut-être un peu risqué, parce que tac, blanc, noir, et blanc peut couper, je pense. Donc... si on saute comme ça, si on saute comme ça, je pense que c'est assez douloureux quand blanc vient en M17. Bon, dans tous les cas, ça semble assez douloureux. Tu seras le GC cette année. Ouais, normalement, je vais essayer de venir, ouais. Je vais essayer de venir. Au moins pour un week-end, parce que c'est pas le tournoi en soi qui est cher. C'est bah, les tournois, les activités, mais bon, il faut penser à l'hébergement, il faut penser à la nourriture. Mais je vais essayer de venir, ouais. En vrai, il est pas très solide avec cette forme. Donc là, s'il m'écrase et qu'il enferme, c'est horrible. Mais déjà, rien que jouer ce coup, ça c'est un faux œil. Et en même temps, ça me construit, parce que quand il va là, du coup, c'est quasiment sûr qu'il va jouer ça. Je prolonge, j'ai déjà une belle forme en soi. Et lui, il est pas encore vivant, il doit faire attention. Donc ça, c'est peut-être prématuré. Je sais pas. Mais j'ai vu, ouais, bah toi, du coup, j'imagine que tu y seras aussi, du coup. J'ai vu, bah là, si vous avez vu la dernière vidéo de Terapigo, là, il a sorti une hier, enfin, depuis 8 mois, c'est sympa qu'il en ait sorti une, là, ça me manquait, on va dire. Un petit peu, comme beaucoup hein, dans les commentaires, c'est ça me manquait beaucoup. Il s'y prépare aussi, donc là, c'est bien. Je me dis aussi, ça va être cool de pouvoir rencontrer des noms, des pseudos, en fait, aussi. Jusqu'ici, hein, je prends un Shilmari, on va dire, perso, parce que j'ai déjà une pierre en D10, donc c'est très intéressant, quand même. C'est à Toulouse, cette année. Le Toby, comme ça, ben, ok, ben, je vais te couper. Hein. Je coupe. Ah ouais, toi, ça fait l'opposé. Pour la Belgique, c'est plus compliqué, c'est sûr. C'est il y a peu de chances de faire pire en grande ville, en France. Est-ce que j'ai le droit de faire cet Atari? Bon, déjà, il y a Atari d'un seul côté. La capture serait très chiante. Est-ce que j'ai le droit de sortir? Lille, c'est joli aussi. Ouais, ou Lens, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'il y avait eu un EGC en France, c'était à Bordeaux. Donc ils doivent aimer le sud-ouest. Hein. Bon, moi ça va. Toulouse, ça reste côté ouest. Là, je suis à Rennes. Bon, c'est quand même loin, mais... Et surtout, si on veut aller en train, ben, ça passe par Paris, ça c'est chiant. Pas France, quoi. Bah, il fait beau. Ah oui, bah, à Toulouse, on va cramer, hein, je pense. Où est-ce qu'il a joué? Il a joué là, hein. C'est un peu chiant, hein, qu'il n'y ait pas le dernier coup. Il y a quelques petits défauts, hein, il pourrait améliorer ça. Tac, tac. C'est dangereux, la coupe, non? Ok, il a la taille. Mais si je vais là. Qui coupe? Je coupe. Ça me laisse capturer ses pierres. Il sort. Ouais, non, en fait, ça fait pas grand-chose. C'est moi qui suis un peu gourmand, là. Par contre, quand je sors, il y a des petits problèmes. Il y a coupe là, fermé là. Il y a ce année. T'y vas aussi, Fed? Cool. On essaiera peut-être de se voir, de jouer une petite partie, ça pourrait être sympa. Parce que je pense qu'il y aura du monde. De toute façon, on sera pas eu tous les têtes d'affiche, hein, mais... Vous avez quel niveau, un peu niveau FFG d'ailleurs, ce qui irait là? Tire and go, bah oui, carrément, carrément, carrément. Ok, il fait tous les Atari. Il aime bien de faire tous les Atari possibles. Souvent, moi, Mathieu Dalizotti qui disait que c'était pas très bon de faire ce deuxième Atari parce que ça empêche des possibles Shibori plus tard, etc. Là, maintenant, il reste plus que ce pipe-là, quoi. 8Q, c'est pour voir si on s'affronterait potentiellement ou pas. Tac, blanc. S'il va ici, je vais là. Tac, tac. Il a pas beaucoup de liberté en même temps. Parce que moi, je suis à
Au dernier tournoi, je suis passé premier QFEG, donc je vois encore deux, peut-être, on va dire. Bah, j'ai pas trop regardé. Moi, je pense faire un tournoi d'un week-end, par exemple. Si je viens, c'est je fais 3-4 jours comme ça avec ma copine. On fait pendant 1 ou 2 jours les touristes. Et pendant 1 ou 2 jours, bah, je fais le tournoi, quoi. Tac, tac, tac. J'ai encore 3 libertés. Il va là, je peux pas faire Atari, donc je vais là. Mais il peut pas couvrir, sinon c'est Atari. Je protège et je m'en vais. Ouais, merci, merci, merci. C'était cool parce que j'avais vaincu sur les 2 derniers tournois, les 3 Indan FFG, c'est les seules 3 parties Indan FFG que j'ai fait du coup, en partie réelle. Je les ai gagnés, donc ça c'est cool. C'est pas avec le niveau que je monte sur internet que je pourrais faire ça, je pense, mais bon. Tac, tac. Moi ça me va bien quand on a 1h15, 1h30 chacun. Noir, blanc, noir. Ah, si, il fait là. Blanc. On va ici. Et il peut nous mettre à taille. Ok, ça a l'air d'être dangereux ça. Tac, tac, tac. Blanc ici. On connecte. Et on est mort. Sauf si, bah non. Tac, tac, tac. Il va là, on fait Atari, tac. Atari, tac, Atari. Il s'en va, on connecte et c'est bon. Non, j'ai l'impression qu'on peut couper. Hein. On va voir si c'est une bêtise ou pas. C'est un QFFG toi? Ok. On reste dans la même tranche. J'ai repris le goal l'an dernier pour préparer le GC. J'ai commencé à 6Q et grâce au dernier tournoi, je suis passé 5. Il me reste encore 2 tournois pour monter. Ok. Ok, ok. Et dernière possibilité ici. S'il couvre comme ça. Ah ouais, je vais plutôt couper tout de suite. Pas facile de reprendre et de progresser. Déjà, faut retrouver son niveau d'avant. Ouais, c'est ça. Moi, je fais quasiment pas de tournoi. De vrais tournois. Donc, pour progresser, c'est galère, ouais, c'est clair. Par contre, c'est chose qui propose la tarige, l'angle vide. Je pense que c'était mauvais. Ah, il a la coupe là. Mais en même temps, il a ça. Ah, il est dans la merde. Il est dans la merde. Tous ces pierres-là. Elles n'ont aucun œil. Après, il peut aller en S17. Mais qu'est-ce qui se passe avec S17? C'est je pousse, il va là. Je saute. Il va ici. Je recule, je pense solide. Il peut faire un œil en goûter. Mais c'est tout. Bon, je vais prendre ces pierres, c'est déjà très gros. Ouais, c'est immense. Ici on a déjà un œil sur cette forme, si je fais ça je suis vivant. Tac, il va là, je descends, il va là, je vais là. Je peux aller ici. Non, je raconte n'importe quoi, je suis pas vivant si je fais ça encore. Tac. Pas évident. Est-ce que ça vaut plus le coup d'aller vers là? Mais en même temps, le chasser vers ici, c'est le chasser pour attaquer ce groupe. En vrai, on prend ça, ça relie ces pierres-là, celle-ci, celle-là. Et maintenant, on doit regarder qu'est-ce qui se passe dans la partie. Qu'est-ce qu'il y a de potentiellement faible? Ça, ce n'est pas faible, même si on a l'impression de ce côté, parce que ça capture les 3 pierres. Ça, c'est vivant, même si ça a que 2 points. Ces pierres-là, elles n'ont qu'un œil. Et c'est blanc de ce côté, c'est blanc de ce côté, donc attention. Et ces pierres-là, elles ont encore 3 directions. B3, B7, et sortir. Donc celle-ci, je trouve que ça va largement mieux que celle-là, en fait. Même si ça, je pense que ça va, parce qu'il devra faire attention à cette descente un jour. De ne pas faire des coups d'amé. On va pousser. Ça menace de faire le hané, et de prendre de la force sur l'extérieur. Et en plus, on continue à chasser indirectement ça. Alors, donc GG, misclic.
Misclick ? De qui ? J'ai fait un misclick ? Ok, il laisse... Oh, c'est intéressant ça. Est-ce que je peux pas forcer ici ? Il va là, je viens ici. Connect. Je fais là. Je vais ici, je vais là. Je peux faire Statari, tag, revenir comme ça. Mais non, parce qu'il y a Statari, donc il devra protéger. Ça a l'air intéressant, ça, non? Tac, tac. Je vais ici. Protège. Enfin, même s'il va là, je recule. Réfléchir un peu à ça. S'il protège tout simplement ici, quand je vais là, qu'il protège tout simplement ici. Tac, tac, tac. Même s'il a Atari, tac, il devra revenir protéger, moi je peux sortir. Et là il est quasiment mort. Mais... s'il va ici, je peux aller là. Est-ce que c'est trop gourmand? Non, il avait dû lire quelque chose que j'ai pas lu. Après oui, ça semble pas très bon en fait. Ouais. Je pense qu'il pensait avoir un meilleur résultat. À pousser là, déjà. Faut que je fasse attention, j'ai plus que 3 minutes 18. Noir, blanc. En fait, je peux pousser là, tout simplement. Je protège. Je reviens ici. Ouais. Donc, s'il connecte ou s'il va là, ça se passe bien, j'ai l'impression. Et là, je fais le année. Année, il vient ici. Je fais double année. Ça a l'air de bien marcher. Noir. S'il fait Atari de ce côté, je protège. Il doit protéger, je peux sortir. S'il fait Atari de ce côté, je protège. Il protège, on fait Atari. Il sort, je sors. Donc ça l'enferme dans tous les cas. J'ai l'impression. C'est pas beau, mais ça l'enferme. Est-ce qu'il est vivant ici? Blanc, noir, blanc. Il a l'air vivant. Ensuite, je viens par là. Oh, il pousse ici. Ça, c'est intéressant par contre qu'il fasse pas le Kosumi tout simplement, parce que là, il se retire une liberté. Je surveille vraiment ce coup en S6 qui peut apporter quelque chose d'intéressant plus tard. Ok, il me donne vraiment le plus de place possible. Je vais jouer ça après. Il joue là et... Noir. C'est une erreur, c'est mon coup, je pense. C'est une très grosse erreur. Trop focus sur ça. J'aurais dû jouer là. J'ai joué trop vite. Mais en même temps, je suis obligé de jouer vite, hein. J'ai plus de temps. Mais bon. Je joue beaucoup dernièrement et je vais reprendre des cours. Je sais, c'est mon objectif de l'année. Bon courage, en tout cas. Bon courage, bon courage. Bon, je vais faire Statari, hein. Il faut bien avoir un gain, mais il faut que je fasse attention, c'est pire aussi à la coupe. Après, il ne peut pas se permettre de mourir ici. Est-ce qu'il y a un truc? Dur de parler en jouant, c'est normal d'en faire. Ouais, mais après, des fois, je pourrais être plus focus, c'est vrai, mais c'est sûr. Salut à toi, en tout cas, bienvenue. Je vois que c'est ton premier message.
Bienvenue à toi, Vague Vague. T'es quelqu'un qui commente des fois sur YouTube? Juste histoire de situer. Si je vais là. S'il connecte, je descends encore, ça a l'air d'être une sacrée erreur de sa part. Pas du tout, Valentin du club d'Aligre. Ok, bienvenue à toi. Aligre, c'est à Paris ça, non? Ouais, je crois. Enchanté. Ouais, enchanté. Enchanté. Je sais pas si on s'est déjà vu en tournoi ou pas. Moi, je suis resté principalement dans la ligue de Gold West. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose en fait. Si je vais là. Il pousse de l'autre côté. Atari. Capture là. Et ensuite, je peux mettre Atari ici, non? Noir. S'il va au milieu. On peut faire cet Atari, il protège, on capture tout, donc il va pas, il fait pas ça. Mais s'il protège ce côté, on fait Atari ici. Et qu'il capture ou qu'il protège ici, je peux faire cet Atari là. Je suis pas sûr, mais ça a l'air marrant ça. Faudra que je vienne dans à l'ouest. Mais focus, focus. Ouais. Ouais. Ok, je pense qu'il fait bien. Bon, ok, il n'y a plus grand chose maintenant, c'est sûr. On va jouer par là. Non, on va jouer par là. Ça menace de venir ici. Ouais, j'aurais vraiment dû faire ce coup, hein, c'est dommage. Et j'aimerais vraiment pouvoir placer ce coup. Ça attaque à la fois ses pierres et ça développe quand même un moyeu très intéressant sur la partie de Goban qui reste intéressante encore. Mais il faut que je m'occupe de ça. On va connecter. Je suis pas satisfait par le Kema. Je trouve qu'il joue juste Kosumi. Il me sépare et il détruit tout. Et jouer par-dessus, bah pareil, il peut couper facilement. Alors que là, il y a peut-être un crosscut. Tu joues sur quelle plateforme? Je ne connais pas. C'est Just Go sur Steam. Je te l'écris, mais bon, je pense que voilà. Je sais plus combien c'est. Je crois que c'est pas trop cher. Et en fait, je joue avec les personnes sur OGS. Mais c'est joli, oui. Après, voilà, comme je disais juste avant, il y a un problème de coordonnées. Il y a quatre plateaux différents, c'est le seul où il y a des coordonnées. Et encore, c'est pas tout autour. Si je coupe, il fait Atari. Je descends, il monte. Après, on a peut-être ce genre de coup qui est sympa. Tac. Je fais Atari, je descends. Mais qui connecte d'un côté ou de l'autre, ça va, non? Tac, s'il connecte direct. Voilà, Atari, Atari. Non, c'est pas très bon. Donc ça exclure. Ça. Tac. S'il fait cet Atari, on va là. Il peut descendre, mais on peut couper. S'il veut, on tac, Atari. Ok. J'ai l'impression que c'est le crosscut. Hein. Pas de soucis. Pas de soucis. Bienvenue à toi d'ailleurs aussi. Kodziago. Bon pseudo. On est nombreux ce soir là, j'ai l'impression. Je vais regarder. On est 15. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Hop, tac. Ok, il fait Atari. Et aussi un petit truc, c'est ça coûte rien de mettre un petit marqueur sur le dernier coup. Merci pour le follow, Vague Vague. Bienvenue à toi. Encore une fois. Ouais, si ça a l'air quand même. Plaisant pour très plaisant pour Noir. Et merci à toi, Kodiago. Ok, il fait ça. Est-ce que j'ai un problème de coupe? S'il vient ici, je capture. Il fait cet Atari, mais je peux reculer en fait. Non, j'ai pas de problème de coupe. S'il vient là, tac, tac, tac. Non, il n'y a rien du tout. Bienvenue à tous vous deux en tout cas. Il chante le chant des Bretons a cappella s'il passe à 320 followers ce soir. Aïe aïe. Je peux jouer ça du coup maintenant. Ça menace de fermer par là, de faire quelque chose de très intéressant. Et en même temps, ces pierres-là sont mises sous pression. Attaquer avec un Kema. Ah oui, 319, c'est pour ça, ok. Ah oui, tu prends pas trop de risques non plus. La fourchette minimale, quoi. Et il joue de ce côté. Ok, je risque rien sur ces pierres-là. C'est pareil, non? On attaque, on sépare. Première chose au go, c'est de séparer les positions adverses. Donc déjà, on fait ça.
S'il monte tac tac, il fait atari tac, il peut connecter, donc on va continuer ici. Connecter et couper. Ok, il a mis à prendre le minimum de risque, hein, Nobi, Kosumi. Oui, je pourrais répondre là. Est-ce que c'est pas plus tentant de jouer là d'abord? Tac, il protège. Je vais là, ce qui menace de connecter en M18. Donc il doit protéger d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je vais là et il est mort, non? Bon, on va peut-être un peu vite en besogne, mais. Ah non, il peut aller là. M18. Mais bon, il vit pas très haut. Et on peut revenir sur une protection par là. Tac, s'il va à l'intérieur, on fait un kema comme ça. Ouais, ça a l'air sympa. En même temps, là, il a plus qu'une seule direction pour ses pierres, c'est par ici. Ok, on protège, c'est énorme. Donc, on fiche s'il fait un petit truc à l'extérieur, il n'y a rien ici à construire. Et on va rester très solide, non? Ça, ça protège pas mal la coupe ici aussi. Ça vient aider un peu s'il se passe des trucs dans le coin. S'il vient là, tac tac, Atari certes, mais on risque rien ici. Moi j'aime bien ce 1, 2, 3, cette gueule de tigre. Ah ben, et... où est-ce qu'il a joué? On voit rien avec... Il a joué ça. Il a joué ça. Ouais, c'est vachement focus, hein. Ça doit être dur quand c'est rempli le plateau si tu vois pas le coup de l'adversaire. Je pars là. On a plus que deux périodes de 30 secondes aussi. Encore un follow pour le champ des Bretons, les gars. Je t'assure que t'as pas envie d'entendre ça. Bon, comment on fait pour ces pierres là? Est-ce que ça donne pas envie de taper dedans? C'est vrai que je vais arrêter l'attaque sur ces pierres, mais en même temps, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que ça vaut pas le coup de juste protéger ici? Attends, il vient. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Parce que même la descente ici, ça menace des petites choses. Tac, tac, tac. Protège, gagne, next. Ouais, c'est tentant de protéger et de se dire c'est large suffisant. Parce qu'en soi, blanc, il a quoi comme point? Il a un petit peu ici. Il a ça. Il a ça, ça... Oula, le temps, le temps. Ouais, y a pas de son pour ça? Faut que je regarde dans les options juste après celle-ci. Et là, il a joué... Ok, il a sauté ici. Ce serait dommage de perdre une telle partie au temps, là. Ouais, ça serait un petit peu con, ouais. On va jouer là. Mais on va pas répondre à son prochain coup, je pense. Tac, puisqu'on reculerait ici, tac, tac. Ouais, il joue ça, c'est hyper gros. Je voulais le jouer, mais je... Pas le timing. Peut-être qu'à la place de ce coup. Mais en vrai, il glissait en Q19, c'est un peu chiant. Bon, ici on connecte. Je suis tendu à cause du temps. En plus, je continue à parler, donc oui, j'imagine. Mais bon. Regarder un stream, si la personne, elle parle pas, c'est un petit peu triste. C'est un peu comme la télé. Tac, tac, tac. Ok, donc il ferme un peu son centre. S'il sort, c'est dangereux, du coup, maintenant. S'il sort, c'est dangereux. Moi, je vais par là. S'il va là, je vais là. S'il sort, on prend la pierre. On ne t'a jamais vu perdre à cause de ton blabla. Jamais. Jamais. Je mets au défi quiconque de trouver une partie comme ça. Oui, maintenant s'il sort, que je vais là, il sort, je vais là. S'il sort, je vais là, il sort, je vais là. Tac, tac. Attention quand même à noir, blanc, noir. Ça tue quand même toutes ces pierres. Hein. Attention ça, c'est pour ça qu'ici je vais reculer comme ça. Oui. Attention monsieur quand même.
et je vais continuer par là. En soi, si je sacrifie ça pour prendre ça, ça me va. C'est pour ça que maintenant il revient comme ça. Alors, je me souviens d'une partie où le bord droit est mort de sa belle main. Je me souviens pas. Pas de ce que tu parles. Ok, il y a la taille comme ça, je viens là, il connecte, donc on va connecter gentiment. On se fait quelques points finalement ici. Donc il ferme ici pour faire ça, mais on fait autant là. Ok, il prend les sentés. Et là, il se dit qu'il a assez de points du coup. C'est énorme ça. Hein. J'aurais dû mettre aussi Glatt tout à l'heure. C'est le petit truc là que j'avais utilisé la dernière fois pour me montrer les zones de points. Tac tac. Ok, je trouvais pas son coup. Faut que je reste focus sur la partie. Je vais peut-être arrêter de lire les messages là. Tac. On peut pousser ici. D'abord on va faire ça, je pense. Menace quand même de couper. Ouais, c'est déjà bien. Si noir vient ici, c'est santé, non? Noir et noir. Protège. Il y a un petit truc ici, non? En K19. Il attend que tu perdes autant. Oh, c'est très possible, hein. Time Suji. Ok, il protège. Je suis un peu bête, j'avais ça. Il protège, je prenais la pierre. Hmm. Je me fais un peu avoir. Qu'est-ce que c'est la musique? Je sais pas ce qu'il se lance là. Ok, ça peut rien avoir. Tac. Donc il a protégé. Il y a ça qui est gros aussi. Ouais, très très gros. Est-ce que ça, ça marche? Tac. Je peux sortir ici, je vais là. Il sort là. Je vais là. Il sort là. Je protège. Revenir. Ouais, c'est pas très intéressant. Autant faire ça. Autant faire ça. On se met ça. Bonne soirée Ashredan. Je suis plus fatigué que d'habitude, peut-être malade. J'espère pas, mais ouais, bonne soirée à toi. Tac. On va faire ça. Salut Linbogi, comment tu vas? Ouais, à la prochaine en tout cas Ashredan. À jeudi peut-être. Tira peut-être mieux. Ou si si on va là. Un tiers du Goban dead parce que le breton est un animal bavard. Il est pour l'autre partie, ouais. Et oui. Moi, bavard. On me l'a jamais dit. Il va venir là, je protège. Il réduit, hein. Il réduit. Ok. On recule. On aimerait bien avancer ici. On n'a pas le timing. Tac. Je pense qu'il protège, hein. Il aimerait pas qu'on... Bon, ok. Non, mince. Pff. Ah, c'est bête. Ça, c'est un point en moins. Par contre, là... Bon, on le prend... Ça, il sera obligé de protéger quelque part au bout d'un moment. Là, il y a tellement de points de coupe. Tac, tac, tac. Oh là là, bon, dommage, hein, mais... Il y a les petites choses. Hein. On va forcer nous aussi, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Ça? Ok. Cette coupe passera bien, hein. Ça fait quand même 1, 2, 3 points. Y a ça aussi qui est pas mal, parce que s'il prend, ça menace pas la même chose. D'abord faire cette Atari. Capture. Et protéger ici, ça semble assez gros. De toute façon, on n'a pas vraiment de santé ici. Ça, c'est un gros goûter. Non, un petit goûter ici. Ouais, celui-là, il est gros quand même, hein, j'ai l'impression. Enfin, c'est plus qu'une impression, il est gros, c'est factuel. Ok. C'est pas grave. Oh, c'est plus gros ça, non? C'est plus gros. Il est juste un peu enrobé, c'est ça. Salut Super Tawai, comment tu vas? Il vient ici, on protège. Désolé Kroos, c'est peut-être pas la musique bretonne que tu attendais là. Avec le petit son de biniou derrière. Moi aussi, il faudrait que je rajoute une pierre. Hein. Pour l'instant, s'il va là, tac, 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 ça va. Neuf secondes. Bon, on va jouer quelque chose. Hop, c'est un peu nul, mais on va éviter de perdre pas le temps. J'avais ça qui était pas si mal. Ouais, ça, c'était pas si mal, puisque là, je vais devoir rajouter un coup. En plus de celui-là, je pense. Pas idéal. On va venir là. Ça a l'air santé. Double santé même, j'ai l'impression. Parce que lui, s'il n'y va pas... J'ai l'impression qu'à force, c'est les petits trucs, tac, tac, tac. Là, il est venu là, ok. Ça menace de venir là tout de suite, tac, tac, tac. Non, il se passe rien. S'il descend direct... Ok, là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose, il faut que je fasse attention. Par contre, Atari, tac, Atari. Donc d'abord, plutôt celui-là. Tac, 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 tac. Atari. Il manque une de liberté. Ok, il a abandonné. Bon. Il a abandonné. On avait combien? Game Results, peut-être. Qu'est-ce qui est marqué? Non. Ok. C'est... Peut-être qu'en regardant la partie, on aura ça. Scandale de quitter aussi. Ouais, là, je sais pas pourquoi il reste pas jusqu'au bout arrivé là. Ouais. Et du coup, ouais, sur ce logiciel, du coup, pour ceux qui demandaient tout à l'heure, du coup, il y a un petit. Une IA intégrée en quelque sorte. Est-ce que ça fait quelque chose au moins? Déjà, ça nous montre le graphe. Ok. Estimation du score. Bon. On a toujours été devant. Et sinon, l'autre, c'est pourcentage de victoire. Donc je vais surtout regarder à quel moment est-ce qu'on peut... Non, on peut pas zoomer, dommage. Alors, en prenant, non. C'est par ici du coup qu'il y aura sûrement les séquences plus particulières. Déjà ça, moi j'aime bien jouer ce coup plutôt. Je crois que je peux... Ouais, je peux jouer ça. Tac. J'aime bien jouer ce coup plutôt. Voilà, si on change de coup, ça dit quel coup est joué normalement. Voilà, ces petits trucs qui sont agréables quand même sur ce logiciel. C'est des détails, mais en plus, hein, ça fait des trucs sympas. Et ouais, après Noir Tenuki tout simplement. Noir Tenuki et voilà. Et le plus classique, je pense, c'est tout simplement de faire ça. Après, je crois que ça se joue tout à fait hein, de prolonger une fois et de sauter. Il donne de la force à Noir, quoi. Et comme c'est orienté vers Noir, je sais pas. Donc je pince. Il fait Tenuki, ok. Et déjà là, ils disent qu'en termes de pourcentage de victoire, je suis un peu devant. Je pense que c'est le fait, comme on disait au début de partie, on a... Bon, c'est pas l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est il est...
Il est vachement écrasé en fait. Du coup, on joue encore en quatrième ligne pour prendre un peu de force sur le centre. Et en plus, s'il joue la partie le Joseki classique, imaginons ça, il est encore une fois très écrasé. Donc c'est pas son avantage. Tac. Donc il pince, mais voilà, encore une fois en troisième ligne. Je pense qu'ici, à sa place, je joue ça, non? Essayer de prendre un peu de force. Si on joue ça comme ça, imaginons il essaie de mettre un peu de pression et ensuite il relance un peu la partie comme ça. Bon, bien sûr, il y a une faiblesse, mais bon. Il faut jouer actif. Là, il contre-pince et on va passer une autre partie, quoi. Ça peut être intéressant de me forcer à aller sur le bord sud alors qu'il n'est pas très intéressant après la pierre en H3. Noir, il pourra rien faire de plus à part ça. Comme blanc d'ailleurs, pourra pas faire plus que ça. Donc c'est intéressant. Tac, tac. Bon, je fais dans le coin. Et là, je fais une séquence un peu questionnable. Parce que, en fait, même maintenant... Bon, tac, tac. En fait, même déjà maintenant, il peut pousser, non? Comme une brute. Je sais pas. Peut-être un peu risqué. Non, bah non. Et il peut pas faire cet Atari, parce que ça fait Atari. C'est compliqué, en fait. Peut-être que il pouvait pas couper, tout compte fait. Peut-être qu'il pouvait pas couper, effectivement. Mais plus tard, je trouve que si. Il y a sûrement un timing. Bon, ça, on a vu que c'était une erreur pour moi. Il faut que je continue, hein, parce que dans la partie, ça a tout simplement fait Atari, Atari, Atari. Celui-ci, il vaut mieux éviter pour lui. Hein. Comme on disait, plus tard, il pourra jouer ce genre de coup. Si je sors, il peut connecter. C'est embêtant. On est séparés en deux. Mais si je capture, pour revenir... Atari. Et il m'a complètement écrasé. Donc c'est pas très bon de faire l'Atari. Il perd du potentiel de Shibori. Tac, tac. Parce que maintenant tout ce qui reste, c'est cette menace de coupe, quoi. Et là, je fais n'importe quoi. J'avais lu que ça passait, en fait. Pour noir. Mais en fait, non. Parce que il se passe rien. Rien du tout, même. Hein. Là, c'est vraiment une erreur de lecture assez basique. Je peux rien faire. Donc, j'ai l'impression quand même que l'erreur, elle vient... Hop. De l'année, ici. Du année. Faut que je continue. Je sais pas. J'ai l'impression quand même, hein, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais j'ai l'impression que ça existe. Ça se joue comment? S'il y en a qui connaissent. Parce que blanc, c'est quasiment évident qu'il va jouer ça. Hein. Peut-être que je dois jouer de ce côté, je sais pas. J'ai oublié. Ou alors, quand il va là, je recule, je fais pas le hané. Tac, 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 et on fait ça. Ah, ça me parle, ça. Mais il peut couper, non? Ah, c'est pas... Ah, il peut couper, non? Je dois confondre avec une autre séquence, je pense. Qui ressemble vachement, hein, mais... La pierre doit être à un endroit différent qu'ici. C'est peut-être une pince... je confonds peut-être avec un... Je sais qui où c'est la pince un cran plus loin. Ça m'étonnerait pas. Bref, il faudrait que je regarde ça une autre fois. Là, ça prendrait trop de temps d'aller chercher. Tac, tac, tac. Donc ici, bah, c'est compliqué, on vit. Hein. Mais bon, on a complètement abîmé notre coin. Il reprend la force sur le centre. Nous, on était forts, on est vivant, mais c'est pas incroyable. Je rajoute ce coup parce que il y a la coupe et en plus j'ai qu'un œil pour l'instant, donc autant faire à la forme de la table pour rajouter des possibilités d'œil. Il plonge dedans et on essaie de faire quelque chose de ce côté. Après, est-ce que c'était si intéressant de faire quelque chose ici? Je sais pas parce que
En fait, c'est assez facile pour lui d'attaquer direct, quoi. Si, si, ça devait aller, en fait. Parce que lui aussi, il peut se faire attaquer, comme on disait dans la partie. Peut-être qu'il doit faire des coups comme ça, alors. Écraser. Tac, tac, imaginons... pardon. Tac, imaginons ça, où il prend une force quand même assez intéressante. Ça peut être cool. Dans la partie, il est venu là. Et du coup, je me suis dit, ok, je fais ce Hané qui va me donner la belle forme directement. Et en plus, ce coup en Q14, c'est un faux œil. Donc là, c'était intéressant, je trouvais. Tac, il descend. Bon, ok, on rajoute un coup, il protège. Et je joue là. Mais en fait, pourquoi ne pas jouer tout de suite ici? On laisse ça plus tard. D'ailleurs... le coup en G17, j'aurais sûrement le timing du coup, parce que là maintenant il aimerait pas du tout que je vienne par exemple en N10. Donc il va sortir hein, d'une manière ou d'une autre. Et quand je viendrai ici, ben, ce coup en N13 il est quand même intéressant. Ça bouge déjà en partie la sortie. Je pense que si tu vas pas dans le coin, il peut O16, ce qui est gros. O16. Tac. Mince, oui, c'est pour ça que ça va pas. Alors. Ah, si je fais pas la séquence tac, 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 tu dis. Il pourrait... Donc imagine, non, je joue n'importe quoi d'autre. Il faut reprendre la main, à chaque fois il faut cliquer. Il y a peut-être un raccourci clavier, il faut que je regarde. Il peut au 16, ouais, c'est vrai que ça semble gros, ouais. Je peux peut-être faire quelque chose, mais là, pour le coup, ça serait donner une force... Là, ça servait à plus à rien d'essayer parce que on a une force beaucoup trop intéressante à blanc. Ça tue, tu penses? Attends, c'est de cette séquence du coup que tu parles? Dont tu parles? Et salut à toi en tout cas, bienvenue hein, Fifou. Ouais, ok. Alors, on va regarder. Tac, 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 tac. S'il fait ça, je pense pas que ça tue, je sais pas. Tac, tac. Parce que là, on doit protéger ici. Donc, on a la capture, mais... imaginons, on veut vivre à tout prix tout de suite. Blanc, il est beaucoup trop content de la force qu'il a créée ici. Noir a presque envie de jouer là tout de suite. Hein, parce que si Blanc descend en G17, c'est énorme. Et imaginons un truc comme ça. Ouais, c'est intéressant pour Blanc. Dommage qu'il y ait ce coup, mais... Ça a l'air intéressant pour Blanc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres séquences? Est-ce que tu avais lu un autre truc par exemple? En vrai, ça va, non? Moi, je trouve intéressant, c'est très solide en fait. Attends, on va refaire. Ça semble quand même intéressant pour Blanc, non? Noir, ici, il fait pas de points. Hein. Dès que Blanc... bon, on fait n'importe quoi. Dès que Blanc va sauter ici, ici, il y a deux points, en fait. Il y a trois points, on va dire. Donc, il n'y a rien. Et Kema au centre. Du coup, ça. Après, il faut être prêt, quoi. À cette coupe et la sortie. Ici, il n'y a pas encore deux yeux. Et ces deux pierres, il faudra les protéger. Après, oui, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de forme chez l'adversaire, mais... Non, plutôt vers là. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai, ça va. Parce que si Blanc cherche à enfermer... J'imagine qu'on peut tout simplement vivre... de manière moche, hein, mais on aura toujours ça, hein, mais... C'est ouais, c'est horrible, ça, ce que je montre. Mais on risque pas grand chose avec ces pierres, c'est vrai. Et si on détruit ce qu'il y a comme potentiel ici, ça va. Ok. Ah, vous avez raison. Donc c'était pas si important de se DD ici tout de suite. Peut-être que je pouvais jouer un coup par là, du coup, dans l'idée, si on, après avoir vu ces séquences. Et
si blanc essaye de prendre, on sait que ça, ça peut bien se passer. Et noir, il a quand même eu les deux ailes d'un futur possible Shimari. Et on dit, si noir, il prend Shimari et qu'il fait une des ailes, on tu veux absolument pas lui laisser l'autre parce que c'est trop fort. En fait, c'est avoir le coin et possiblement les deux bords. C'est comme si tu avais un Oshi, tu joues un C14, et si tu rajoutes en plus un coup d'un côté et plus un coup de l'autre, bah visuellement tu dis non, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas laisser ça à l'adversaire. Quoi. Le chat a toujours raison. Le chat, ok. Oui. Hop. Donc dans la partie... Hop. Voilà. Bon là on est arrivé ici. On va arrêter de regarder hein, puisque là c'est resté à 100% de victoire.